Bonjour, nous voici de retour chez MC Hobby. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un afficheur 16x2. Celui-ci est un peu particulier parce qu'il a un backpack d'Adafruit avec un support USB permettant une communication série via le port USB et également un connecteur série pour, par exemple, l'utiliser avec vos microcontrôleurs habituels. Bon, nous pensons que ce backpack et entre autres et ce afficheur LCD 16x2 en RGB est très pratique pour réaliser des afficheurs pour Raspberry Pi avec un peu de code Python et une bonne classe que nous avons développée durant tout ce week-end. Il est tout à fait possible en fait de réaliser un afficheur pour n'importe quel logiciel de votre choix pour afficher par exemple la température de votre Raspberry Pi ou voir des statistiques d'autres applications que vous auriez écrites. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur l'arrière du backpack, hormis le port série qui est aussi repris ici dans les premières broches du backpack. On retrouve le port USB qui est un breakout ici. Donc si vous ne voulez pas utiliser le connecteur USB, vous pouvez faire un câblage directement. Et vous avez également en fait des General Purpose Output, donc 4 sorties que vous pouvez activer. Elles sont en 5 volts. Ce qui vous permet de raccorder des LED, des moteurs ou d'autres petites choses. Et il y a des commandes par port série qui vous permettent de les activer à niveau haut ou niveau bas. Donc, j'ai mon connecteur mini USB et puis je vais simplement le brancher sur mon backpack. Comme vous voyez, il est aussi branché sur le Raspberry Pi. Et on va démarrer les petits exemples en Python. Voilà. Donc nous allons prendre ce premier exemple qui permet de créer en fait des caractères accentués comme on les utilise en France et en Belgique. Et également le signe euro qui n'existe pas aux États-Unis. Donc je vais même le redémarrer une deuxième fois, comme ça on peut voir facilement les caractères accentués qui sont créés au vol et stockés dans la mémoire du backpack pour pouvoir les réexploiter. Et comme vous pouvez le voir, la couleur, elle n'est pas. Enfin, ici, le rendu est bleu, mais en fait, il est vert. Puis nous avons un exemple de test complet qui permet de tester l'allumage, extinction de rétroéclairage. Également, le contraste de l'afficheur. Les caractères personnalisés. Avec modification de couleur. RGB, donc on est en POM, on a une large palette de couleurs. Contrôle du brightness, de la luminosité. Voilà, effacement de l'écran. D'autres caractères personnalisés dont vous pourriez faire usage. L'autoscroll, c'est sympa. Parce qu'au fur et à mesure qu'on écrit, le texte défile. Affichage en position. Donc vous indiquez la position, le caractère. On a aussi un curseur souligné et là, on blink. Un bloc. Voilà, il est possible de le déplacer à l'écran. Il est également possible de modifier l'écran d'accueil quand on branche le LCD. Et là, forcément, l'activation et désactivation de GPIO n'est pas visible. Ce que vous venez de voir juste avant, c'est fixer la communication en série à 9600 bauds. Donc, pour un USB, la vitesse n'a aucun intérêt. Par contre, si après vous voulez le brancher sur votre microcontrôleur en 19200 bauds, 9600 bauds, le plus facile, c'est de le faire par USB. Donc, voilà. Le splash screen a été modifié, on va entre autres pouvoir le voir là maintenant. Voilà, il n'y a plus de mention à Adafruit. Passez une bonne soirée et bon amusement avec ces nouveaux petits jouets.